Et salut à tous les amis, bienvenue sur ma chaîne Gaming06. Donc les amis, aujourd'hui une toute nouvelle vidéo donc sur le jeu The Crew 2. Les gars, je suis accompagné de AZERTY. Salut AZERTY, comment ça va mec? Salut, ça va et toi? Ça va impec. Donc pour ceux qui ne le connaissent pas, comme vous voyez les points d'icône là-haut, 9999. Le premier français à avoir terminé The Crew, à avoir monté le full level icône. Donc GG à toi. Bah encore toujours, hein, j'ai envie de dire, hein, parce qu'il n'a pas eu des millions depuis. Je sais qu'il y en a eu quelques-uns, mais bon, bref. Les gars, aujourd'hui dans cette vidéo, on est tout simplement parti pour faire un petit battle. Donc avec la voiture noire qui est à droite, la voiture que je possède actuellement. Et la petite Divo Magma édition, donc la voiture la plus pétée du jeu. Pour l'instant, indétrônable. Donc on va voir s'il y a moyen de faire mieux. Donc alors juste une petite parenthèse avant d'attaquer le battle, j'ai changé mes réglages pro. Alors dans la vidéo précédente, en gros je descendais un peu la voiture, mais j'ai trouvé les réglages vraiment adaptés à ce véhicule. Alors je vais vous montrer ça de suite. Alors performance, hop. Donc en fait je n'ai pas touché à tout ce qui est des réglages du bas, juste une chose, le SP c'était à fond sur la gauche, donc les gars vous le mettez à fond sur le plus. Et la voiture ne bouge plus du tout, la voiture est un rail. Donc le gros défaut qu'elle avait, que j'avais dit donc dans mes précédentes vidéos, c'est que la voiture glissait énormément. Donc là maintenant, avec ce nouveau réglage, les gars, elle ne bouge plus. Voilà. Ça paraît logique comme ça de mettre le SP, mais ce qu'il faut savoir, c'est que surtout les anciens véhicules, on le mettait jamais. Parce que, je sais pas, on le mettait jamais. Mais là maintenant, je sais pas, ils ont voulu peut-être faire un peu plus réel. Et ils nous ont mis ce réglage, comme quoi qu'il faut le mettre pour pas que la voiture patine. Donc voilà, c'était la petite info. Ok, AZERTY, on se met face oui. Bah, au point de destination, j'ai envie de dire. On va peut-être s'écarter un peu plus, comme ça on se prend pas la spi. Et ouais, on va voir ça. Voilà, moi je suis bon. Ouais, c'est bon. On est bon à quelque chose près. Donc, est-ce que t'es prêt? Allez, merde. C'est bon. Allez, 3, 2, 1, go! Un petit temps de réaction quand même, non? Ouais. 350. 450. Voilà, non, je suis à 444. Ah, 455. 45, 46. 58. 47. Non, on a pas mis de noce. On a pas mis de noce, mec. Ah, on peut faire sans noce, c'est avec noce. Ouais, ouais, bah écoute, maintenant on va faire avec le noce. Allez, voilà. On se donne rendez-vous au point de destination, là. Allez. Et on va se la faire de l'autre sens et on va pas oublier de mettre le noce. Alors attends, je vais mettre le point en face, du coup. Ouais, alors je pense que. Hop. Faut que je me retire une boîte de vitesse. Parce que ça doit être ça qui a dû me pénaliser par rapport. Parce que moi je suis à fond. Ah oui, bah moi j'ai. Ouais, tac. Niveau boîte de vitesse, j'ai un de moins. Hein. Ouais, ça y est, je viens de le faire. Ok, ça marche. Oh oui, je suis parti un peu avant, ça fera. Ça va compenser le. Ouais. Ok. Est-ce que tu es prêt? Je suis prêt. Allez, 3, 2, 1, go! Oh, je suis parti un poil, tout petit peu avant, mais bon, ça pas grand chose. Ouais, vraiment, 2x1. Bon, elle a pris de l'avance au début. Là, j'ai l'impression que tu rattrapes quand même. 400. Je suis à 400, je suis à 420. À 1 mètre de la destination, on n'oublie pas d'envoyer le noce. 436 440. Ouais, elle prend de l'avance au début, j'ai l'impression. Donc 1 km mec, n'oublie pas. Ouais. 453 avant le noce. 486. Ok, ça marche. Donc t'as un peu plus de Vmax quand même. En fait, j'ai l'impression que la magma a un poil plus
de Vmax, mais un poil moins d'accélération au tout début. Parce On que est là, j'ai d'accord ou pas pas? regardé la vitesse que j'allais avant d'utiliser le nitro. Ah, bon, c'est pas grave, on va dire une fois maxé, une fois en full nitro et tout, t'avais quand même plus de Vmax quand même. Bon, ok, ça marche. Bon, on est parti, on se fait un petit Big Land, c'est bon? Vas-y. Allez, go. Big Land. Alors, le classement. Alors, mon dernier record c'était avec la Ferrari 458 à 2,35. Allez, et toi, ton record c'est à 2,31. Avec la Bugatti Chiron, la carbone. Ok. Ouais, en solo. En solo. En solo. Ça marche. En solo, ouais. Il est là. Hop là, la petite Bugatti. Ouais, vas-y. Casse-moi l'arrière. Ta Bugatti low cost. Ouais. C'est là de low cost. À 16 millions. À 16 millions la Bugatti. La low cost. Ah oui. Allez. Elle a même pas d'intérieur. Ouais, je sais, ouais. Mais je sais pas s'ils l'ont pas fait là depuis. Allez, go, on est parti. Alors, qu'est-ce que ça va donner? Allez, allez. On lâche rien. À fond! Alors, est-ce que je garde le nitro pour la fin? Allez, c'est. Il commence. Eh, encore pas les bonnes habitudes. Ah ouais, je vois ça, ouais. La stratégie. Il met sa stratégie en place, d'entrée de jeu. Bon alors, pour les abonnés, les gars, la voiture glisse beaucoup moins avec ce réglage pro, mais elle glisse quand même encore pas mal. Alors ce qu'on en a déduit là avec Azerty juste avant, c'est que en gros la voiture noire, je pense que c'est une voiture qui est plus basée circuit où il n'y a pas de vitesse de pointe, plus là où ça tourne, il faut du freinage, tout ça, de l'accélération. Alors que la Magma, elle, c'est plus une voiture voilà, pour ce genre de circuit, vraiment où il y a beaucoup beaucoup de lignes droites et pas trop de virages, et encore que même quand il y a beaucoup de virages, j'ai envie de dire, ouais, des courbes rapides. ouais les ouais voilà ouais des courbes rapides ouais. Des courbes rapides, j'ai un peu mangé mon mot. Aïe. Ah là là. Alors, t'as vu ou pas, est-ce que tu m'as vu comme la voiture elle est partie en cacahuète pour rien. Dans l'herbe là, dans le virage, ouais ouais j'ai vu. Donc ça c'est son gros défaut, hein, mais bon. C'est déjà mieux avec le SP, c'est déjà mieux. Et là encore, voilà, en pleine ligne droite, la voiture part à droite. Donc ça par contre, les abonnés ils l'ont vu. C'est le ouais, gros moi, défi. J'ai pas vu. Ah non, parce que t'es, oh, tu me rattrapes, toi. Tu me rattrapes fort. Ça pousse, pousse. Bon, par contre là tu m'as tué. Là tu m'as tué. Ah. Ouais, c'est pas grave, vas-y. Sorry. Continue, continue. Je les copains. Ouais, finalement je vais pas garder ma nitro, hein, ça sert à rien. Ah bah là tu peux tout cramer, là je te rattraperai plus. Hein. Bah en même Tiens, temps. Je vais finir en marche arrière. Oh le salaud. Qu'est-ce que vous voulez jouer avec lui les gars? C'est pas possible. Le mec qui nous envoie dans le décor, ouais, le tricheur, le c'est ça. Le mec qui nous envoie dans le décor et après il. Il se moque, salaud. Bon, allez, ok. Bon, clairement, c'est un temps de merde que je viens de faire, comme jamais. Qu'est-ce qu'on fait, mec? On recommence ou on se fait un Hollywood? Ouais, je partirais bien sur l'Hollywood là. Bon, allez. Allez, go pour un Hollywood. Allez. Et allez, on est parti. Ah, oh, et du steak. Oh, comme tu traces. Ah, c'était chaud, toi. Ouais, là, ça va, je l'ai bien pris le premier virage. Je dois ralentir. Pas plus vite. Wouhou ! Allez, direction la ligne d'arrivée.
Ah là 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 là. Allez! Je l'ai pris trop extérieur. Le saut là, des fois, c'est un peu aller la voiture, des fois un peu en cacahuète. C'était dommage avec et j'ai raté. Tu sais que j'ai rebondi sur le pylône. Ah. Là. Désolé. Tant mieux, tant mieux. Tant mieux, tant mieux. Bon, je sais que tu vas me rattraper, c'est pour ça que je suis content. Hein. Ça me laisse un peu de répit. Attends, si celui-là je me rate pas. Et si, je suis raté. Tant mieux. Pris 3 à gauche. Est-ce qu'il faut que je t'attende? Non, profite. Profite, c'est que tu gagnes. J'en profite que pour une fois que je gagne. Après on dit que je triche. Alors là c'est moi qui profite. Bah c'est toi qui triche. Bon les gars, ce que vous savez pas, c'est que ça fait au moins 5 ou 6 fois qu'on recommence la course et qu'à chaque fois j'étais derrière. Voilà. C'est bon, t'es content, hein? Ouais, c'est bien de le dire, France. Après, ils vont dire que je triche aussi. Ouais, mais ça, c'est vrai. Non. Voilà. Regarde, ouais. La preuve. T'as ta réputation, moi. Hein. Allez, allez, allez. J'ai pas mal de bouse et je vais taper le pylône au milieu du pont. Bah, j'ai quand même fait 2-20, hein, donc c'est pas ouf. Hein. J'ai quand même fait 2-20. Bon, je suis d'avis à recommencer et qu'on échange les voitures. Je prenne la magma. Aïe! Tiens, tricheur. Tiens. T'es d'accord ou pas? Vas-y, on fait comme ça? Ouais, allez, go. C'est parti. 3, 2, 1. Et allez. Go. C'est parti. Pas mal comme bagnole, hein? Clairement. Merci. Tu m'as poussé. C'est pas vrai. Bah non, c'est toi qui m'as poussé. Non, c'est pas vrai. Ah, tu sais, les meilleurs trouvent toujours une bonne excuse. Ouais. Tiens. Oh non, je l'ai raté. T'as raté quoi? Attends, t'inquiète, je vais te rattraper, t'inquiète pas. Alors si je te rattrape, tu me donnes ton compte YouTube. Ouais, ok, ça marche. Sauf qu'après, il n'y a plus de vidéo dessus. Voir une vidéo, pas travaillé. Tiens, aussi, quelqu'un pourrait te mettre une peau de banane. Ouais, ça serait bien. Et je me suis mangé déjà plusieurs fois. Surtout j'ai cramé tout mon os. Ah, le double droite là. Si je le prends bien. Oh, t'as l'air de l'avoir bien pris en plus toi. Bah j'ai un peu freiné quand même. Bah là je vais freiner. Ça va plus être pire mais. Ça va être mieux. La pluie est parmi nous. Ça va glisser. Surtout pour toi, je crois. Ah non, ça c'est pas bon pour moi. Non. Voilà, bon, je vais le rendre ma merde, moi. Et foot. En fait, là, je suis en train de me manger tous les petits murets. J'arrive. Oh le salaud. Allez! Je vais admirer mes peaux. Un petit poutoui. Allez! Et t'as raison, là elle a moins bien tourné la magma hein, au niveau du poteau. Oh putain, t'étais juste derrière en fait. Hein. Oh incroyable. Bon, on a fait moins bien, on a fait 5 secondes de moins. Hein. Oh. Donc, c'était pas terrible. Il y a quand même moyen de faire des bons trucs, mais c'est plus difficile. Avec la voiture noire? Ouais. Ouais, je pense aussi, ouais. Je
pense aussi elle En fait, est. tu peux faire mieux, mais c'est plus dur. Ouais, t'as raison. Je pense que ton raisonnement est pas mal. C'est différent. C'est différent. Bon, perso, je sais pas, les deux sont bien au final. Les deux sont bien, mais. Je sais pas, peut-être je penche un peu plus quand même pour la magma. Bien que l'autre, ouais, elle a l'air d'être un peu plus monstrueuse, mais un peu plus compliquée, ouais. En fait, la Divo, C'est elle est assez plus subtil. simple à conduire. Ouais, voilà, ouais. Elle pardonne plus les erreurs. Ouais, ça doit être ça en fait. Ouais. Un truc du genre, tu vois. Bon, ok. Bon, écoute, ça marche. Bah, écoutez, on a fini bah, pour cette petite vidéo. J'espère que ça vous a plu. Merci à toi bah, d'avoir participé à cette vidéo. Avec Merci, mec. plaisir. Bah, le plaisir était pour moi. Et ça faisait un petit moment d'ailleurs qu'on n'avait pas fait, donc c'est cool. C'est vrai. Bon ben voilà, écoutez les amis, on a fini la vidéo. Est-ce que, enfin, si vous avez un peu testé deux, dites-moi ce que vous en pensez dans l'espace commentaire. Moi, j'aimerais bien un peu avoir vos avis. Se dirige autre part. Ok, ça marche. Bon bah À plus. ciao. Allez, sur ce les amis, n'hésitez pas à lâcher un gros like si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Et comme d'habitude, vous pouvez me rejoindre sur les réseaux sociaux, donc Instagram, Discord, YouTube, ma chaîne Twitch, mes partenaires Instant Gaming, Band Controller et Amazon. Et tout est dans la description. Sur ce, je vous dis bon game à tous et à plus les amis, à plus. Ciao Gertie. Ciao. Un dernier mot. Ouais, on fait un petit bisou. Team Poulet. Team Poulet en force. Team Poulet. Ça marche. Ciao les gars, ciao. Ciao. Ciao.